Salut à tous, je suis Gilvet et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization 6 Rise and Fall avec Alexandre et en DIT parce qu'on ne rigole plus et qu'on rigole plus. Alors ici, donc là on peut faire le zoo dans notre capitale et qu'est-ce qu'on voit? L'activité bonus s'étend à chaque centre-ville dans un rayon de 6 cases. Ce bonus s'applique qu'une seule fois dans une ville. Il n'est donc pas. Oh punaise, je me suis fait avoir. Ok. J'avais oublié cette partie-là. Plus 1 de science pour chaque case de forêt tropicale et de marais de cette ville. Ah, punaise. Donc ça, c'est un ajout. Il n'y avait pas le plus 1 de science pour les cases de machin. Donc normalement, quand on va le construire, on va avoir donc 1 de science ici, là. On n'a pas de marais, donc c'est pas mal. Ok, donc quand je vais faire le zoo à Ptana, ça va être complètement fumé alors. Ok, et le truc c'est qu'on vient de débloquer le zoo dans l'épisode précédent en faisant l'histoire naturelle, le zoo est ici. Punaise. Ok, non, il y a des ajouts qui sont sympas. On va dire ça. Donc là, tu peux faire le zoo 11 tours. Prendre les villes, c'est vraiment problématique. Alors ici, t'as fini une banque. Atine, c'est quelle ville? Atine, ok. C'est une ancienne ville de Saladin. Vas-y, fais-nous ça. 21 tours pour que tu prennes un de machin. Non, laisse tomber. Vise la production et finis-nous ça en 12 tours. Alors, tu vas réparer le moulin. Donc Damas est à nous. Ça change rien du tout. Franchement, ça change rien. Tu vas venir. Ah, toi tu peux pas. Donc tu vas venir ici. Attends, j'ai cru voir l'évolution des Rangers. Ok, tu deviens notre troisième, deuxième, j'ai rien dit, la troisième est ici. Voilà. Ok. C'est quelle technologie? C'est la nano? J'ai pas bien vu. J'ai pas bien vu. C'est pas la nano. C'est les matériaux composites. Posséder trois blindés. Ah, c'est génial. Ok. Ben on va. Punaise. Franchement, là, on marche, on court dans le truc, dans l'arbre technologique, c'est juste abusé, quoi. Tomiri, ça va. À Carthage? Carthage. Le prix en or des unités militaires est réduit de 20% par quartier de bon. Ok, donc on peut réduire les coûts assez. Ok, c'est pas mal. Mass media. On est un petit peu loin de la démocratie. Donc je vais perdre cette ville au prochain tour. Donc ce que je vais faire, on se posait la question, est-ce que lui il allait mourir? Comment est-ce qu'on va faire ça? J'espère que ça va marcher parce que sinon je vais le perdre, c'est une armée. Donc tu vas venir ici et t'as plus de points de mouvement, punaise. Ah, tu me casses la tête. Dis-moi que t'avais une promotion. Non, il avait pas de promotion. Ok. Bah donc là on va le faire à la dure. Toi, malheureusement, tu n'as juste qu'une seule attaque. Ok, tu vas attaquer lui. Qui est le danger immédiat. Bah oui, c'est très simple en fait. Ouais, c'est très simple. Donc toi, tu vas venir ici. Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire, c'est pas grave. Parfois, on n'y pense pas vraiment. Le truc, c'est que je pensais que le Hannibal allait avoir un point de mouvement, comme ça je lui donne son niveau et comme ça il se régénère. C'est pas grave, ça arrive. Toi, tu vas venir ici, je peux attaquer personne, tu vas venir là, je peux attaquer personne. Toi, t'es niveau 2, tu restes là. Alors, toi. Tu viens ici, tu peux attaquer personne. Toi, tu vas buter lui. Ok. Notre unité est safe. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, on fait notre mine. Ah, dans 3 tours. Punaise, t'as que 2 de population. Je comprends pourquoi t'avais une production toute pourrie. Ok, bah fais ça. Vise la nourriture. Non, ne vise pas la nourriture. Finis le complexe.
Toi, tu vas nous faire une ferme et je vais enlever le pin ici. Supprimer. Voilà. Ça fait une jolie ferme. Toi, tu vas venir ici, tu vas nous faire une mine. Une jolie mine. Toi, on avait déjà parlé de ça. Je peux pas utiliser cette case, donc tu vas faire l'alcazar ici. Et quelle jolie case de plus 4. Magnifique. Magnifique. Je t'adore. Ok, on continue à marcher vers Seidenga. Donc là, j'ai cru voir le niveau, l'upgrade des forces. Oh, des Rangers. Maintenant, il va devenir une force spéciale. Tu sais quoi, viens ici. Deviens une force spéciale. Il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Alors, toi, tu vas venir par là. Toi, tu peux aller jusqu'ici. Viens là. Et deviens une. J'ai pas d'argent. Oh punaise, l'argent commence à être un problème. Ok, toi. Alors j'ai rien pillé ici, donc c'est très bien, j'ai rien dit. Il y a une ferme ici que j'ai pillée. Voilà. On n'a rien vu. Donc toi, tu peux rien faire. Prends ton level. Traverser les collines, c'est très bien. Alors, Jeanne d'Arc, donc c'est pour les unités de renaissance et industrielles. Sinon, qu'est-ce que tu donnes? Elle nous crée une relique. Bah, je pense qu'il est temps de créer une relique. Parce que j'ai plus d'unités de l'ère industrielle. Le piquetier. Ouais, non, comme ça me dit rien du tout, quoi. Il faut que je le retrouve sur le. Piquetier. Attends, c'était quoi qui donnait ça? Ici. Renaissance. Ah, ère industrielle, donc les canons de machin. Bon, les rangées, on va bientôt en perdre. Ok, bon, bah, je sais où envoyer donc Jeanne d'Arc. Elle est ici. On va t'envoyer donc là. Tu vas un peu supporter nos unités qui sont là. Ben voilà, c'est tant mieux. Après, on fera une relique, évidemment. Mais en attendant. Allez, viens là. Ok. Non, c'est difficile de se déplacer. Ici, tu peux faire ça. Voilà. Comment ça se fait que j'ai un de culture dans le. Dans la toundra? Cathédrale Saint-Basile. C'est peut-être. Je sais pas. Je sais pas ce qui fait ça. Donc toi, t'es mort. Alors, toi, tu vas venir ici. On va enfin pouvoir raser ce truc et on va aller jusque là pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres méchants pas beaux. Oh, il y a des mousquetaires niveau 2. Non, elle est plutôt faible. Vas-y, prends ton truc. Malheureusement, tu pourras pas finir ton ta mission. Donc toi, je vais te perdre au prochain tour. Et le truc, c'est que c'est maintenant en fait que j'ai envie de changer. Enfin, c'est pas que j'ai envie de changer, mais je vais devoir changer ces cartes-là. Loyauté, ça, je vais virer ça. Je vais mettre taxe coloniale. Et je vais remettre un peu plus de foi, peut-être. Ah, mais non, je peux pas. Qu'est-ce que je raconte? Je peux mettre rage, j'aurai 2 d'or, de la culture et de la science. Le truc des espions est bien dans une partie où j'utilise vraiment les espions. Là, je crois que j'ai 2 espions qui sont sortis, c'est vraiment rien, quoi. Je pourrais mettre ça. Regardons rapidement combien d'or je pourrais avoir avec un d'émissaire. Donc là, on va compter le nombre d'émissaires. 15. 18, 26. 29 pièces d'or. Contre 2. 4, 6. Donc 6 cités-états. 6 cités-états. X 2, ça fait 12 pièces d'or. Mais j'aurai un peu de ça. 29 pièces d'or contre. Alors, je sais vraiment pas. Allez, on va mettre ça. Et on va mettre. Donc, qu'est-ce que j'avais mis? Taxe coloniale. Ok, là, normalement, on devrait avoir un petit peu d'argent. Allez, monte à 300, punaise. Ok.
Vas-y, fais-nous ça. Oh, punaise, c'est pas ça que je voulais. Oh, c'est pas ça que je voulais. Je voulais... C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Fais un grenier en entour. Ça va te donner un peu plus de marge. Allez, on continue à marcher. Toi, est-ce que tu peux bouger? Non, tu peux pas bouger. Ah si, tu peux bouger. Alors, est-ce qu'on prend un pata? On laisse ces dinotes de côté. Allez, on va buter. Oh, je déteste quand ça fait ça, quoi. Il prend la route la plus simple, mais le truc c'est que il y a une ville sur le chemin, donc tu peux pas passer. Alors pourquoi tu vas par là? Ah, c'est pas grave. Oh, 56 pièces d'or. Ok. Bah, je pense qu'on va lui faire la paix juste pour avoir cet argent. Il a encore combien de villes? Il y a une ville ici qu'on voit pas, peut-être deux. Ok. Y a pas de souci. Oh punaise, tu prends trop cher, toi. Toi, tu prends trop cher. On va perdre donc Palanque. Oh, tu ponds des béliers, c'est pas mal. Une fois dans une partie. Je m'étais fait rush par une civilisation. Et cette civilisation avait des alliés cité-état. Et donc des unités de cité-état ont réussi à prendre ma ville en fait. Et une cité-état qui prend une ville, elle les rase. Parce que les cités-états ne peuvent pas avoir deux villes. Elles sont conçues que pour en avoir une. Donc j'ai perdu une ville comme ça. C'était pas drôle. Même maintenant. Alors, tu vas faire un zoo. Et c'était la seule fois où une cité-état avait pris une de mes villes, en fait. C'est pour ça que ça m'a marqué. Fais un négociant. Allez, tu vas venir ici nous faire des fermes. Toi, t'as fini un monument. C'est Sana, Sana, Sana. Allez, vas-y, tu vas nous faire ça. Toi, tu vas faire ça. J'ai pas de problème d'usure de guerre. Mais je vais juste faire la paix avec lui. J'ai de l'ambre, j'ai tout ça, mais je vais quand même le lui demander. Attends, il a combien de villes? Il a deux villes qui lui restent. Allez, donne-moi toute la thune que tu as. Voilà, comme ça, il est complètement à nu. Merci. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Punaise, quoi. T'es sérieux? La ville a une protection de 80. Et il y a un petit bug. C'est notre infanterie qui est encore dans la ville. Ok. Où est l'artillerie? L'artillerie est ici. Je peux reprendre la ville assez facilement. Mais ça veut dire aussi prendre la ville en même temps qu'on défend ces positions-là. Alors, on va essayer. T'as pas de level. Ok, donc tu vas venir ici. Ah, mais t'es sérieux? Ah, ce mec, il est inutile comme pas possible. Il est sur une route. Pourquoi est-ce qu'il a pas... Il a 4 de déplacement. Ah, t'es pire que... Non, y a pas pire que toi, en fait. Ok. Donc, toi, tu vas rester en défense. Toi, malheureusement, tu vas te faire rusher. Donc ouais. Comment je vais faire? On va pas te déplacer, on va voir ce que je peux faire. Là j'aimerais vraiment pas perdre cette unité. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux attaquer ces unités. Allez vas-y, attaque celle-là. Comme ça tu vas te rendre un petit peu utile. Toi, t'es mort. Voilà, ça c'est très bien. Maintenant, je peux attaquer ces deux-là. On va attaquer celui-là. Il est mort. Punaise quoi, canon de campagne. Pour ceux qui se rappellent, j'avais un petit peu craché dessus.
Ok, il faut pas que tu restes. Viens ici. Alors, ce cavalier peut me rush. Il y a plein de gens qui peuvent me rush. Donc, ce qu'on va faire pour éviter de se faire rush, c'est de mettre cette unité ici. Comme ça fait une zone de pression. Ok, toi, tu vas piller cette ferme. Toi, alors, je vais pas t'affaiblir. Tu vas rester en soins. L'artillerie, elle va s'occuper de cette ville. Ok. Toi, tu aides les canons de campagne. Viens ici. Ah punaise, que c'est difficile de se déplacer sur ces zones. Ça me casse un petit peu la tête. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour augmenter la population de cette ville? Tu vas venir ici, tu vas nous couper cette case. Mais je vais m'assurer que ça t'appartient. Voilà. Ok, toi, t'as encore 3 charges. Ok, j'ai prévu de faire les fermes ici, on va faire ça. J'ai l'impression que toutes mes unités se déplacent très lentement. Allez, force spéciale. Donc là, on a des forces spéciales. Et donc les forces spéciales peuvent se parachuter à 6 cases seulement. Allez. Et en plus elles peuvent se déplacer juste après. À moins que je me trompe. Donc toi, pour te parachuter, t'as besoin d'avoir des points de mouvement, je pense. Allez, viens ici. Ah là là, c'est pour ça qu'ils sont pas mal. Donc toi, tu vas venir dans la ville, t'as encore des points de mouvement, je t'upgrade. Toi, tu vas venir ici, tu peux pas. Allez, Seidenga est sur le chemin. On va la prendre. On va la capturer cette ville. Mais viens donc ici. Ici. Voilà. C'est ça que je voulais. Punaise, quoi. Donc en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas venir ici. Et tu vas te soigner. Donc, en fait, ces unités vont commencer à m'attaquer et donc elles vont s'affaiblir. C'est juste pour ça que je voulais faire ça. Toi, retourne à Pella, 4 et 4. Punaise, Pella est tellement bien maintenant. Oh, fournit une unité de pétrole. Ok, vos routes commerciales rapportent 2 pièces d'or pour chaque ressource stratégique aménagée par la ville de destination. Ressources stratégiques. Ressources stratégiques. Ce serait bien si j'avais une ville qui avait plein de fer et tout ça. Notre capitale n'a aucune ressource stratégique. Là, il y a du salpêtre. Non, je vois pas de ressources stratégiques abondantes. Abondantes dans une ville. Là, il y a une ressource seulement. Attends, on va l'envoyer ici. On va l'envoyer ici. Grâce au... Je sais pas si ça compte. Je sais pas si ça compte. Allez, refais ton chemin. Parce que donc j'ai construit le Gebel pour essayer d'avoir de la foin en début de partie. Évidemment, toujours dans le but de... d'alimenter nos... D'alimenter la guerre en unité. Allez. Alors toi, je sais pas quoi faire de toi. Bah viens donc ici. Il y a moyen de faire une mine et de faire un alcazar. Alors toi, tu peux encore te déplacer, vas-y. Donc là, je peux avancer les blindés. Ok, donc là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de rusher la victoire, tout simplement. En trouvant la dernière ville. Ah, j'aurais pas dû te mettre là. Toi, je vais t'acheter la case, hein, mais j'ai pas assez d'argent. Ça va être au prochain tour. Hop, on passe le tour. Alors, toi. Tu vas venir ici. Ok, il est retranché, c'est pas grave. Ok, toi t'es ici. C'est parfait.
C'est parfait, c'est parfait. Donc je vais ramasser cette... Ah punaise, il faut attendre encore un tour. Est-ce que ça, c'est utilisé par la ville? Ok. Ah oui, Palanque qui s'est rebellé. Ok. Tant que c'est Palanque, y a pas de souci. C'est pas mes villes. Ok. Oh, j'ai failli perdre mon blindé. C'est un blindé niveau 1, donc c'est normal qu'il prenne si cher. Alors, elle a réagi comme je pensais qu'elle allait réagir, parce que j'ai pas perdu d'unité. Donc c'est une bonne chose quand tu planifies quelque chose et que ça se réalise. Alors, le piquet-tir, est-ce que tu peux finaliser cet arbalétrier? Voilà, finesse. Toi, tu vas prendre un level. Voilà. Ici, t'as fini le machin, tu vas faire un zoo. Toi, on va ramasser donc la nourriture. J'espère qu'elle appartient à cette ville. La case appartient bel et bien à cette ville. Ok, donc on va ramasser ça. La population va monter à 9, ce qui est bien. Et là, elle va monter à 10. Et en même temps, on a un petit surplus de production. Et donc, on va placer le complexe de loisirs ici. Voilà. Comme la ville n'a pas beaucoup de production, on va lui donner quelques cases. Je vais te donner... Ah mais non, mais même celle-là n'a pas beaucoup de production, comment ça se fait? Ben, je vais te donner le 4. Voilà. Vise la production, comme ça on va essayer de finir ça un peu plus vite. Alors, cette ville maudite. Bah oui, parce que là c'est le lieu parfait pour un campus ou alors un truc de religion. Mais non, il a préféré mettre une ville. Donc, maintenant c'est à moi de vivre avec cette ville. Voilà. Ici, complexe de loisirs. Je peux en mettre un dans le désert. Allez, si on met ça ici, on va avoir la place de théâtre en plus 3. C'est minime comme bonus. On va t'envoyer à Buenos Aires, comme ça on a un missionnaire. J'aurais dû le faire à une ville qui était beaucoup plus proche, dans une ville qui était beaucoup plus proche. Damas. Damas a besoin de rien. Damas a besoin de rien, donc on va faire en sorte que la ville... Punaise, quoi. Elle génère rien du tout comme argent. Donc t'as un lieu sain, bah vise la foi. Puis là j'ai du mal. Ok, t'as besoin de nourriture en fait. Allez. Je peux pas viser la foi sinon la population va diminuer. Casse-toi, je te dis, Damas. Casse-toi, casse-toi. Alors ici. Heureusement, on n'a pas fait d'achat. On n'a pas upgradé d'unité. Donc là, on va faire une mine. Voilà. Ça aide un petit peu la ville. Donc là, je savais que l'IA allait rusher le petit canon qui est ici. Je m'y attendais. Voilà. Donc il y a eu deux cavaliers qui ont rushé, qui ont attaqué cette unité. Heureusement, il a un level. Donc on va lui donner combat urbain ou alors espadon. Donne plus 7. Ok. C'est parfait. Ça c'est la promotion parfaite pour lui. Toi tu vas venir ici et t'as plus de points de mouvement. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Ok. En tout cas on est safe maintenant. Donc toi tu vas venir ici et tu vas ramasser. On va ramasser tout ce qu'il y a là. On va ramasser tout ce qu'il y a là. Donc je sais pas si cette ville peut me faire un bâtisseur. Dès qu'elle a fini son truc. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux piller? Je suis dans le quartier, je sais pas ce que je peux piller. Je peux attaquer la ville, ce qui est vraiment bizarre. Ok, bah, on va buter cette unité, comme ça on a plus d'ennemis. Toi, tu vas... On va essayer de réduire à zéro les remparts. Bah toi tu te soignes tranquillement dans la ville ennemie. Toi tu vas... T'as déjà pillé la ferme.
Donc ce qu'on va faire, c'est switcher de place. Les remparts qui sont ici me cassent la tête parce qu'elles me font très mal. Si seulement je pouvais mettre l'artillerie ici, sur cette case. Non, tu sais quoi, je vais endurer son attaque. Je sais pas encore combien d'unités est-ce qu'elle a. La petite coquine. Allez, viens ici. On va buter lui. Comme ça, on est sur une case de ferme et on pourra soigner au tour suivant. Ok. Donc là, on va faire des fermes. Ici, je t'ai mis là parce que voilà. J'ai. Je l'ai bougé un peu trop vite. Toi, tu vas te parachuter. Ici. Alors, toi. Non, c'est pas grave. Toi, tu peux venir. Oh, tu peux pas venir ici. Comme par hasard, tu me casses la tête. Mais de toute façon, je n'aurais pas pu attaquer. Donc, Seidenga est une ville vraiment difficile à prendre. Vraiment difficile. Donc, on va faire ça. Toi, tu vas piller la ferme. Il va te rester des points de mouvement et tu vas prendre ton level. Blindage réactif contre cavalerie. Est-ce que tu as une cavalerie? Il a des mousquetaires, ça compte pas comme étant une cavalerie. Blindage réactif, défense plus 7. Toi, tu vas venir ici. Toi, je peux plus te parachuter, mais tu peux venir sur ce territoire-là. Il a besoin d'un mouvement complet pour se parachuter. Qu'est-ce que je te déteste. Allez, vas-y. Oh, punaise, les dégâts sont minimes. Ils sont... Oh là là, quoi. J'ai honte pour toi, hein. Franchement, j'ai honte pour toi. Viens donc là. Oh, tu peux attaquer, bah attaque. Je peux pas le parachuter malheureusement. Allez, viens là. Le piquetier, tu vas venir là. Toi, tu vas venir. Je sais pas quelle ville est-ce qu'on va atteindre en premier. Non, tu vas venir là. 4 tours, putain, c'est chaud. Alors, c'est pour ça que le rush des cavaliers lourds qu'on avait fait avec Amanitore est tellement bien. Parce qu'on a, on obtient en fait des unités qui ont énormément de points de mouvement. Punaise, quoi. Mais non, mais c'est pété. Le mec, il vient comme ça, il tombe du ciel. Alors. Je suis désolé pour toi, mec. Oh là là, nourri, oh punaise, où est Meroé? Je vais devoir me casser la tête à prendre ces villes. Ici, Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, c'était pour soutenir cette unité. Bah mets-toi là et fais-toi plaisir. Donc toi, tu vas nous réparer ça. On passe le tour. Quête de cité éteint. Ok. Alors lui, il est entre trois villes et un campement. Il va se faire allumer. Si ça avait été une unité toute pourrie, évidemment. Ok. Le cavalier qui était dans le truc s'est suicidé sur nous. Il n'y a rien d'autre à dire. Ok. Alors cette ville est en siège. Ok. Alors, je pense pas que tu puisses aller... Attends, dis-moi que t'as une promotion. Non, t'as pas de promotion, il n'y a pas de ferme à côté. Je peux buter cette unité. Tu peux venir ici. Attaquer lui. Attaquer ce quartier. Tu peux venir ici. Tu peux attaquer ce quartier. Tu peux venir ici, te soigner un peu. Allez. Ah mais punaise, je suis... Ok, il y a encore des remparts. Ah là là.
Non. On va être patient avec Hannibal. Hein. On va être patient. Il n'y a aucun souci, Hannibal. Fais-toi plaisir. Fais vraiment ce qui te semble le plus efficace. C'est-à-dire être très très lent et qu'on ne puisse pas t'utiliser. C'est aussi bien. Alors, bâtisseur. Donc là, le convoi de ravitaillement, on va l'envoyer. Malheureusement, je vois pas où l'envoyer sans qu'il se fasse attaquer par lui. Donc je vais l'envoyer à Antioche. Voilà. Alexandrie, t'as fini ton aqueduc, tu peux monter jusqu'à 9 de population. Tu peux faire un quartier résidentiel aussi, hein, tu sais. Là, 6 de population. 31 tours, ouais, je pense que c'est mort. C'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est de la foi. Donc, il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux tant que tu nous produis de la foi. Tu vas venir ici, tu vas nous faire une mine. Tu vas venir ici, tu vas faire une ferme. Voilà. Mine. Punaise, la ville. Ok, tu devrais trouver un juste milieu, Lagash. Donc toi, bah refais. Non, on refait pas la route, je pense qu'il y a des villes bien meilleures. Par exemple. Putain, mais non, on a déjà fait une route vers elle. Ok, ici t'as 3 et 3, donc c'est mieux. Alors, ici on va ramasser. On va ramasser ça. Tu vas venir ici, on va faire une mine. Ça va nous donner de la production. Là, je peux rien faire. Oh, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Il y a du marais, mais c'est du marais sur du désert. Bah, je peux rien faire. Viens ici, on va faire un triangle de ferme à côté. On répare. Alors, l'attaque de ville, l'attaque des villes de Saladin, c'était vraiment un plaisir comme pas possible. Parce que le mec, il avait que des fermes et c'était vraiment délicieux tout ça. Allez. Donc, toi, tu vas te mettre ici et tu attaques sur la ville. Toi, tu peux raser cette forêt. Ouais, on va se soigner. Le blindé va le buter. Ok, Erascore. Combien j'ai eu? Un Erascore. Ça va, c'est pas grave. C'est déjà ça. On va pas dire non à un Erascore, hein, donc. Oh, bien joué. Bien joué. Donc là, bah, vous allez attaquer cette ville. Je sais pas si t'as une autre promotion. Non, t'es un niveau 1. Mais ce qu'on va faire, on va switcher les deux. Comme ça, toi, tu attaques. Et toi, tu vas prendre ton level. Là. Colline. Toi, tu peux prendre ton level. Colline. Alors, toi, tu peux finir lui. Tu peux finir lui. Je sais pas comment il peut attaquer lui. Il va faire un tour comme ça. Non, 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 non. Tu vas venir ici. Tu vas nous piquer la route commerciale. Alors toi, tu peux pas avancer, donc toi tu vas aller là. Tu vas passer ton tour. Ok, les autres, on va les laisser bouger comme ils veulent. Toi, tu vas venir ici, tu vas passer ton tour. Au prochain tour, tu auras tous tes points de mouvement et tu pourras donc attaquer. Toi, t'es mort. J'ai même pas des Erascore pour ça. Alors qu'ils m'ont pourri énormément la partie. Non, je vais pas attaquer, on va se soigner. Toi, c'est Jeanne d'Arc. Passe ton tour. Alors, on va faire un dernier tour et on va s'arrêter là. L'artillerie. Qu'est-ce que tu fais là? T'es un peu trop en retard, toi. Allez. Non, mais Rouet, je sais pas du tout. Bah, en fait, on sait pas non plus où se trouve la capitale de. J'ai perdu le rangé?
Non, je l'ai pas perdu. Ok, cette fois-ci, t'as plus ton point de mouvement et je peux pas le parachuter. Regardez ces cavaleries, quoi, mais c'est complètement pété. C'est juste abusé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Heureusement que j'ai reculé lui, hein, franchement. Bah toi, je pense que t'es mort. Je pense que t'es mort. Regardons ça. Alors, je vois pas de solution. On va devoir sacrifier cette unité. Ah là, ça me fait mal, hein. Là, ça me fait vraiment mal. Cette artillerie ne va pas pouvoir one-shot une unité. Ce que je peux faire au mieux, c'est venir ici. Mais dans ce cas-là, il y a toi qui peux me tirer dessus. Une unité qui peut m'attaquer de là si je ne bouge pas cette unité. Et puis les autres qui sont vraiment... c'est gratuit, quoi. Ah non, là ça me fait mal de perdre cette unité. Comment je vais faire? Attends, comment ça se fait qu'il s'est soigné en un tour? Je lui ai même pas donné la promotion de lui. On va pas chercher à savoir. J'ai autre chose en tête. Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, sinon ça va prendre des tonnes et des tonnes de minutes. Donc là, bah, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!